Très bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus ce soir participer à cette conférence sur les accélérateurs de particules, et c'est un très très grand plaisir pour moi de l'animer. Donc une conférence d'un modèle un petit peu particulier puisque nous sommes en triplex avec nos deux conférencières du jour, Gaëlle Boudoul qui est donc en direct du CERN et Claire Pacheco qui est à Paris et qui nous parlera donc de son accélérateur du Louvre. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter nos deux conférencières. Donc, Gaëlle Boudoul, qui est chercheure CNRS à l'IP2I de Lyon. Donc, c'est l'Institut de physique des deux infinis de Lyon, qui se trouve sur le campus de la DOA à Lyon, à l'Université Lyon 1. Et Gaëlle donc, effectue la plupart de ses recherches au CERN. Et puis donc Claire Pacheco, qui est chercheure au C2RMF, donc c'est le centre de restauration, c'est le centre de recherche et de restauration des musées de France, qui se trouve donc dans les laboratoires sous le musée du Louvre. Et donc Claire, alors n'est pas vraiment au musée du Louvre, mais elle est à Paris et elle va nous présenter donc cet accélérateur. Alors je suis ravie parce que c'est une conférence qu'on a préparée en collaboration avec nos collègues du musée des Confluences, avec également l'Université ouverte de Lyon 1, le CNRS et puis le ministère de la Culture, puisque l'accélérateur AGLAE est rattaché à la fois au CNRS, mais également au ministère de la Culture. Donc, avant de passer la parole à Gaëlle et à Claire, je voudrais vous introduire un petit peu ce choix des deux accélérateurs que sont AGLAE pour le Louvre et puis le LHC pour le CERN. Donc depuis que les premiers accélérateurs ont été conçus, alors on est dans les années 30, dans les années 20-30 pour les premiers accélérateurs. Le premier accélérateur électrostatique, c'est Robert Van de Graaff qui l'a construit aux États-Unis. J'aurais pu aussi vous parler d'un autre type d'accélérateur qui était conçu à peu près à la même époque, qui était un accélérateur Cockcroft-Walton. D'ailleurs, vous en avez un qui est ici au musée. Si vous souhaitez en savoir plus sur les Cockcroft-Walton, je vous invite à le visiter au musée des Confluences. Donc, depuis ces premiers accélérateurs, qui donc accélèrent des particules dans le vide, eh bien, de l'eau a coulé sous les ponts. Et aujourd'hui, on a choisi de vous parler de deux accélérateurs en particulier. Alors, parce qu'ils ont à la fois des points communs, mais aussi des différences importantes. Leur point commun, ça va être qu'ils vont accélérer le même type de particules, en l'occurrence des protons, c'est-à-dire des noyaux d'hydrogène, que ce soit sur Nu AGLAE ou bien au CERN. Les différences, c'est l'énergie. Nu AGLAE, c'est des protons qui vont avoir des énergies de l'ordre du million d'électronvolts. Alors, ça peut paraître beaucoup, le million d'électronvolts, mais c'est quand même beaucoup moins que les énergies du CERN, où là, on est en téraélectronvolts, c'est-à-dire des 1000 milliards d'électronvolts, donc des énergies beaucoup plus importantes. Et donc, vous savez peut-être que plus l'énergie d'un faisceau est grande, plus on peut voir des particules de petite dimension. Donc, on va voir des choses beaucoup plus petites au CERN, puisqu'on va accélérer des protons à des très, très grandes vitesses par rapport à ce que l'on peut faire sur AGLAE. Et puis, un point commun à ces deux accélérateurs, c'est que finalement, les deux vont nous aider à comprendre l'origine, que ce soit l'origine de nos civilisations en ce qui concerne AGLAE, en analysant les objets du patrimoine, et puis l'origine de l'univers, quand on va détecter des collisions entre protons qui vont à des très très grandes vitesses, on va essayer de comprendre d'où on vient. Hein. Voilà. Donc, c'est un petit peu sur cette base, quelles sont nos origines, qu'on a choisi ces deux machines. Alors, on va maintenant se rendre d'une part en direct du CERN, où Gaëlle va nous présenter sa machine, puis ensuite, on ira sur Nu AGLAE, où Claire nous présentera cet accélérateur des musées de France, qui est quand même un accélérateur unique au monde en termes d'analyse des objets du patrimoine. Donc, on va se rendre tout de suite au CERN et je vais demander à Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour à tous. Merci de ta participation. Je vais te demander de nous présenter ton accélérateur, si je puis dire.
Oui, j'aime bien me l'approprier, mais on est beaucoup sur le coup. Donc bonsoir à tous. Donc je m'appelle Gaëlle Boudoul et je suis donc chargée de recherche au CNRS et je suis dans le cadre de mes recherches essentiellement basées au CERN. Et nous sommes ici donc en direct de la salle contrôle de l'expérience CMS au cœur du CERN. Donc je vais revenir un petit peu plus longuement après. Alors je ne sais pas si mes transparents vont pouvoir être projetés. C'est parti. Voilà, super. Donc voilà. Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous parler du ce qu'on appelle du grand collisionneur de hadrons ou Large Hadron Collider en anglais, le LHC, hein, qui se situe au CERN. J'imagine vous avez probablement entendu parler. C'est là où on a fait la découverte du boson de Higgs, mais pas que. On fait aussi beaucoup de recherches. Et si on passe à la diapo suivante, on va faire un petit peu de géographie avant de s'intéresser à l'infiniment petit. Et vous montrer où cet accélérateur se situe. Donc, vous reconnaissez sur cette diapositive le Jura et le lac Léman. Hein, l'accélérateur du CERN, il est coincé entre ces deux choses. Hein, le lac Léman, qui a son jet d'eau en bout de ligne que tout le monde connaît, et la ligne de crête de Jura. Et donc, cet accélérateur, donc c'est une vue du ciel, mais il faut pas être. Faut faire attention, le LHC on ne voit pas du ciel parce qu'en fait il est à 100 mètres sous terre, donc c'est une vue, en gros une radiographie si vous voulez, où on a dessiné sur la photographie où se situe l'accélérateur. Donc vous voyez la dimension, hein, ça fait 27 km de circonférence, donc c'est grand. Vous avez les différentes villes que certains peuvent connaître, Ferney-Voltaire, qui est connu pour effectivement Voltaire en particulier. Vous avez Gex un peu plus au nord, Saint-Genis-Pouilly. Et vous avez une ville qui est entourée, un peu plus, voilà, entourée d'un cercle rouge qui s'appelle Cessy, une petite bourgade du pays de Gex. Et c'est de là que je vous parle, parce que ici on a un point d'accès au tunnel, donc à 100 mètres sous les pieds, et c'est de là dont je vous parle. Donc on est dans la commune de Cessy. Alors si on va à la diapositive suivante. Voilà, donc c'est ici, nous sommes actuellement dans la salle de contrôle. Alors je me retourne brièvement pour quelques secondes pour vous montrer que c'est la salle de contrôle. Voilà, je reviens près du micro. Elle est actuellement, il y a des gens qui travaillent. En fait, on pilote le détecteur CMS, un détecteur. Donc, détecteur de particules, c'est comme un appareil photo géant qui détecte les collisions, qui se trouve donc sous nos pieds, 100 mètres sous terre. Et on n'a pas mis la salle de contrôle en bas, mais en haut, donc juste au-dessus, en surface. Donc, on se trouve en direct ici de cette salle de contrôle. Là, il commence à être 6h30. On travaille 24 heures sur 24 dans cette salle de contrôle. Mais évidemment, quand arrive la soirée, on a un petit peu moins d'excitation. Il y a une heure plus tôt, je pense que ça aurait été plus compliqué de faire cette conférence. Il y aurait plus de fourmillement autour. Voilà. Donc, nous sommes ici en direct de cette salle de contrôle. Alors, bon, le but de cette conférence, c'est de parler des accélérateurs. Hein. Donc, on va essayer de vous parler de ce que c'est que le LHC brièvement. On ne va pas rentrer dans des détails très techniques. Mais voilà, ici sur cette diapositive, vous voyez, on retrouve notre Jura, notre lac Léman, le CERN. Donc ça, voilà. Donc, si on continue, si on avance un peu dans cette diapositive. Donc comme je vous ai dit, 100 mètres de long. Et en fait, pardon, 27 km de long. Et donc ce tunnel sont accélérées les particules et elles sont guidées par des aimants. Parce que vous savez, on accélère des protons. Comme Nathalie vous l'a expliqué, c'est des particules chargées. Et donc, grâce à des aimants, on peut accélérer ces particules chargées. Et en fait, on a en gros 1200 aimants donc, qui sont répartis tout au long des 27 km. Et ces aimants, comme on veut accélérer à des vitesses colossales, hein, on s'approche de la vitesse de la lumière, on est obligé d'injecter beaucoup de courant dans ces aimants. Et en fait, on ne pourrait pas le faire avec des aimants classiques. On utilise ce qu'on appelle des aimants supraconducteurs, qui fait qu'il n'y a pas de résistance au courant, c'est-à-dire qu'il ne chauffe pas. Voilà. Mais pour faire ça, pour avoir cette capacité d'accélérer avec des aimants supraconducteurs, il faut les refroidir à des températures extrêmement basses. On est à vraiment à peine 2 degrés au-dessus du zéro absolu. C'est-à-dire que c'est le point le plus froid de l'univers. Si au cours d'un dîner, voilà, à Noël par exemple, vous les demandez, ou tiens, où est le point le plus froid dans l'univers? La réponse est au CERN, tout simplement. Voilà. Ça fait toujours bien, je pense, voilà, dans un dîner. Alors, tout ça, pour être plus sérieusement, c'est quand même une prouesse technologique majeure. C'est-à-dire que vous avez un système cryogénique
qui est sur 27 km de long pour maintenir tout ça à froid. Et donc on fait circuler deux faisceaux dans des sens opposés, qui ne se voient pas les faisceaux, donc vous avez comme ici sur l'image marqué B1 et B2, donc ils circulent dans ce tunnel sans se croiser, sauf à quatre endroits, mais on verra ça plus tard, et donc on les accélère dans un sens et dans un autre à des énergies colossales. Donc si on continue, là, voilà, en quelques chiffres, ces deux faisceaux, alors c'est des énergies colossales, mais en fait, alors pour donner un petit peu une idée, en fait cette énergie, c'est à peu près l'équivalent de l'énergie d'un TGV qui est lancé à sa vitesse classique de 300 km. Alors vous allez me dire, mais tiens, ça, vous faites une machine qui fait des choses qu'on sait faire depuis longtemps avec les TGV, l'énergie d'un TGV, et on n'a pas besoin de choses supraconducteurs pour faire marcher un TGV. En fait, qui fait, nous, notre particularité, c'est que cette énergie, en fait, elle est concentrée sur un espace qui est plus fin qu'un cheveu. C'est ça, en fait, qui fait la différence. C'est-à-dire qu'on fait une densité d'énergie qui est exceptionnelle. Voilà. Donc c'est ça qui fait ça. On a vraiment une énergie très, 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 très concentrée. Donc, c'est-à-dire qu'au moment de la collision, c'est une densité qui est énorme. Voilà. Donc, c'est ça qui fait la spécificité. Et en fait, au niveau consommation électrique, même si on a des aimants supraconducteurs qui fait qu'on n'a pas de perte d'énergie, on a malgré tout la nécessité d'avoir une consommation électrique qui est équivalente au canton de Genève à peu près. Voilà. Donc, si on continue sur la diapositive suivante. Voilà, donc ça j'en ai parlé. Voilà, donc on fait des collisions, c'est-à-dire que comme j'ai expliqué, mes deux faisceaux ils se voient pas, ils sont comme sur une autoroute, voilà. Et sauf qu'à un moment, hop, on fait un petit aiguillage. En fait, à quatre endroits, on fait un aiguillage qui fait qu'on a des collisions. Voilà, donc il y a des paquets de protons qui sont voilà répartis sur l'anneau et qui à un moment vont se faire des collisions. Alors si on peut revenir en arrière pour relancer l'animation, ça serait bien. Voilà, comme ça on voit bien. On voit bien, voilà, une collision, et voilà. Et à un moment donné, cette collision, donc il va y avoir un échange d'énergie. Et nous, notre équation, si je peux utiliser une seule équation ce soir, c'est l'équation, la fameuse équation E égale MC2. Donc vous avez tous entendu parler, je pense que E égale MC2, c'est universellement connu. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette E égale MC2? Elle nous dit simplement que l'énergie et la matière, c'est pareil, E égale MC2. D'accord? Donc c'est vraiment, il y a juste une relation de proportionnalité entre les deux. Et donc nous, notre but de l'accélérateur, c'est tout simple, c'est d'avoir une densité d'énergie extrêmement importante au moment de la collision, ce qui va nous permettre de créer des particules, des nouvelles particules. Plus l'énergie est élevée, plus on va pouvoir créer des particules. Donc E devient M, et c'est ces particules qu'on essaye de détecter et de comprendre d'où elles viennent, comment elles sont agencées, etc. Donc ça, c'est un peu ça. Donc on met tout autour de ces collisions un système de détection comme des appareils photo. Bon, après c'est un petit peu plus compliqué qu'un appareil photo, mais c'est l'idée générale. On fait faisceau, collision, on crée des nouvelles particules, de la matière, et on essaye de comprendre comment ça marche. Voilà. Très bien, merci beaucoup Gaëlle. Alors, on va passer maintenant dans un autre monde, hein, le monde des objets du patrimoine. Claire, pourrais-tu nous expliquer finalement, toi, quel est ton accélérateur, comment il fonctionne et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Oui, bonjour à tous avant tout et merci aux organisateurs, je tenais à le dire, de nous donner l'opportunité de parler de nos accélérateurs qui travaillent dans des mondes différents mais qui au final se rejoignent dans bien des domaines et on va le voir tout de suite. Alors, je vais partager mon écran. Ah, ça marche pas. Normalement, tout doit bien se passer. Petit problème Normalement. technique. Pourquoi? Soyons patients 2 minutes. Ça y est. Ça va venir. Ça va venir en mode lecture. Tout va bien. Ça y est, c'est parti. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok.
Donc moi, j'ai l'honneur et le privilège de diriger le AGLAE, l'accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire, qui est au Centre de recherche et de restauration des musées de France, dans les sous-sols du Palais du Louvre. Donc un petit peu d'histoire. Le laboratoire du Louvre a été créé dans les années 30, entre les deux guerres. Et historiquement, c'était surtout des radiographies sur des œuvres qui ont commencé à être réalisées par des médecins radiologues. Le laboratoire ensuite s'est étoffé après la Seconde Guerre mondiale. Différents systèmes d'analyse, de datation, entre autres, sont venus enrichir le parc analytique. Et dans les années 80, le défi, parce qu'il s'agissait vraiment d'un défi, a été relevé d'installer un accélérateur de particules entièrement dédié au patrimoine dans les sous-sols du Palais du Louvre. En 1995, donc le laboratoire de recherche des musées de France, donc ce n'était plus le laboratoire dit du Louvre, mais bien des 1200 et quelques musées de France à l'échelle nationale, a été créé. Et en 1998, le laboratoire et les ateliers de restauration des musées de France ont fusionné pour donner le Centre de recherche et de restauration des musées de France. En 2017, Aglaé est devenu le nouvel Aglaé, mais j'aurai l'opportunité d'en dire un petit peu plus tout à l'heure sur cette transformation. Et alors, Aglaé est unique au monde, tu l'as dit, Nathalie, tout à l'heure, pour plusieurs choses. C'est la combinaison d'une part, une localisation stratégique, c'est le seul grand instrument dans un contexte muséal. C'est également le seul accélérateur de particules qui fait de l'analyse par faisceau d'ions qui est 100% dédié à l'étude d'objets du patrimoine. D'autres collègues, je peux citer EFIRA au CNBG à Bordeaux par exemple, travaillent également sur du patrimoine. Le LABEC à Florence, Atomki à Debrecen en Hongrie. Bref, il y a plusieurs accélérateurs qui font exactement le même métier que nous, sur du patrimoine également, mais au maximum, ça va représenter 20% de leur temps de faisceau. Et ils vont avoir d'autres champs d'application dans l'étude de matériaux pour la microélectronique, pour le nucléaire, pour l'énergie, bref, la biologie aussi, le médical, bref, énormément de champs d'application. Et le seul accélérateur à être totalement dédié aux objets du patrimoine, c'est Aglaé. Autre élément qui s'ajoute, c'est la compilation de données depuis 30 ans, depuis qu'Aglaé est installée. Eh bien, tous les jours, au quotidien, on vient enrichir notre base de données d'analyses réalisées sur des œuvres, soit parfaitement signées par des artistes, donc attestées d'authenticité, attestées, avérées, soit d'objets archéologiques issus de contextes géochronologiques bien définis. Et donc ça, c'est une richesse sans nom. Autre élément important, c'est le développement instrumental et méthodologique spécifique pour les objets de musée, les objets qui ont des contraintes vraiment particulières, en particulier concernant leur manutention. On ne va pas travailler sur un bronze comme on travaillerait sur un verre de Venise. La fragilité de l'objet donne des sueurs froides, je vous garantis. Et à nous de développer aussi notre instrument et nos méthodologies pour répondre et pour repousser les limites de la science actuelle, de nos analyses actuelles. Donc nous, ce n'est pas 27 km, c'est 27 mètres que les particules ont à franchir avant d'interagir avec l'objet. Donc, on va travailler, nous, essentiellement avec des protons, comme au LHC, mais on peut également travailler avec des particules alpha ou des deutons. En termes d'énergie, donc, nous, c'est très faible énergie. On peut aller jusqu'à 4 mégaélectronvolts pour les protons et les deutons, et jusqu'à 6 mégaélectronvolts pour les particules alpha. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? On va avoir d'un côté, donc ça c'est le schéma vu de dessus de la ligne de faisceau, dont vous avez un panoramique ici, avec moi en bout de ligne, là, qui donne l'échelle de la ligne. On va créer des ions,
mais des ions négatifs, alors que j'ai dit qu'on travaillait essentiellement avec des protons, donc des particules chargées positivement. Pourquoi on travaille avec, on génère dans nos sources des ions négatifs? Parce qu'on travaille avec un accélérateur qui est un pélétron, qui est un accélérateur électrostatique tandem. Donc, accélérateur électrostatique de type Van de Graaff, donc, qui n'est pas comme celui qui est exposé au musée des Confluences à Lyon. Un Van de Graaff, on va avoir, donc si je simplifie le fonctionnement, au centre, on a une électrode qui nous permet d'avoir une haute tension positive, et donc nous on peut aller jusqu'à un maximum 2 millions de volts. Cette électrode est chargée positivement, et les deux extrémités de la colonne au sein du tank que vous avez ici sont reliées à la masse, et donc nos ions négatifs vont être attirés par cette électrode positive, et on va avoir une première accélération. Au centre, on va vaporiser un gaz inerte qui, alors en anglais, c'est le stripper, c'est très glamour. En français, c'est l'éplucheur, c'est beaucoup plus terroir. Mais ça fait bien ce que ça veut dire, à savoir qu'on va arracher les électrons à notre particule. Et donc, de négative, la particule va devenir positive et va donc être repoussée par cette borne positive et subir une deuxième accélération. En sortie de tank, donc on est à ce niveau-là, ça y est, les particules sont accélérées, elles ont leur vitesse ou énergie, donc nous, on est à des vitesses très très faibles, puisqu'on est très loin de la vitesse de la lumière, on est à peu près à 10% de la vitesse de la lumière. Donc bon, pour donner un élément de comparaison, si je pointais le faisceau en direction de la Lune, en sortie d'accélérateur, il me faudrait peut-être une quinzaine de secondes pour l'atteindre. Donc, ça reste quand même des vitesses assez grandes, mais pas suffisantes pour appliquer la fameuse équation E égale mc2. Nous, on va dire que l'énergie de nos particules, c'est l'énergie cinétique, 1/2 de mv², et ça suffit largement pour nos calculs. En sortie donc de l'accélérateur, les particules vont venir faire un petit tour ici, et donc ça c'est la nouveauté du nouvel aglaé, on les fait passer à travers des aimants là aussi pour pouvoir les diriger. Et l'objectif de cet aimant, c'est de stabiliser la ligne, j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Une fois que ce petit tour de manège est fait, le faisceau arrive ici sur une fente objet de la microsonde, donc c'est 7 mètres ici de ligne, eh bien nous avons une lentille qui va venir focaliser le faisceau, donc ça va devenir un micro-faisceau, de macro-faisceau, donc de l'ordre du millimètre. Le faisceau va devenir micro-faisceau pour pouvoir interagir avec l'objet. On place l'objet devant la ligne, alors point important, nous travaillons avec un faisceau extrait. C'est-à-dire que tout, depuis la création des particules, leur accélération jusqu'à leur focalisation, tout est fait sous vide, puisque un faisceau de protons de 3 MeV, qui est le faisceau qu'on utilise le plus en routine, va être absorbé par quelques centimètres d'air. On chasse la moindre molécule d'air susceptible de ralentir ou de faire perdre nos particules. Sauf qu'on travaille sur des objets du patrimoine, donc on a cette contrainte. Un objet déjà risque de ne pas pouvoir entrer dans une chambre à vide que l'on mettrait en bout de ligne. D'autre part, même si l'objet est petit, son état de conservation peut ne pas nous permettre de prendre le risque de mettre l'objet sous vide. Il n'y a rien de plus désagréable que de rendre un objet à un conservateur en disant « ton objet, il était polychrome, sous vide, la peinture s'est écaillée, maintenant il est monochrome ». Là, au mieux, le conservateur part en courant. Donc, l'idée, c'était de. Donc, ça a été réalisé dans les années 90, de mettre une membrane d'un matériau particulier, extrêmement fine, plus fine qu'un cheveu, pour résister mécaniquement au vide dans la ligne et d'un côté et de l'autre côté à la pression atmosphérique et faire en sorte que le faisceau passe à travers et soit extrait dans l'air comme c'est illustré par la photo.
Très bien, merci Claire. Alors, c'est vrai que c'est des détails assez techniques, hein, mais bon, c'est important. Ensuite, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on fait avec ces machines et quels sont les enjeux de ces machines. Donc, je vais revenir vers Gaëlle. Gaëlle, peux-tu nous expliquer quels sont les enjeux, quels sont les types de recherches que vous menez au CERN? Oui, elles sont vastes évidemment et on a besoin d'outils performants également. Donc voilà, je vais voir si donc la projection va redémarrer de mon côté. Donc pour vous rappeler, donc on en était resté au CERN où on fait circuler donc deux faisceaux qui se croisent pas sur 27 km, ils se croisent juste à quatre endroits. On fait quatre points de collision sur ces 27 km. Donc on va attendre la projection. Qui ne devrait pas tarder, là voilà. Voilà, qui arrive. Donc ici, vous reconnaissez l'anneau de 27 km que je vous ai montré tout à l'heure. Donc si on fait avancer un petit peu, vous allez voir ces quatre points de collision apparaître donc sur ce transparent. Voilà, deux, trois et quatre. Voilà, donc ces quatre éléments. Qu'est-ce qui se passe à ces quatre endroits? Donc, je vous ai dit, un croisement de faisceaux qui se croisent et on met tout autour de l'appareillage, comme des caméras, comme des appareils photos qui sont bourrés de capteurs. Il y a de millions de capteurs qui vont nous permettre donc d'identifier, de comprendre ce qui s'est passé dans la particule. Alors, pourquoi quatre? Vous allez me dire, pas un ou cinq ou... Alors, chaque élément est extrêmement cher, donc on ne va pas les multiplier ad vitam aeternam. Donc, il faut chercher le minimum. Et le minimum 4, c'est bien. Pourquoi 4, c'est bien? Parce que vous en avez deux, Alice et LHCb, qui sont, vous voyez, en diagonale. Ils sont dédiés pour des recherches vraiment très, très précises. L'un est sur une asymétrie de matière-antimatière, je reviendrai après. L'autre, c'est Alice, c'est plus pour rechercher l'univers à ses débuts. Et vous avez Atlas et CMS, qui sont deux expériences généralistes de recherche, c'est-à-dire qu'on fait des collisions et on essaye de comprendre ce qu'on voit. Donc, c'est vraiment, au-delà d'une recherche dédiée, c'est vraiment de la... On essaye de faire des découvertes avec ces deux machines. Et donc, je vous rappelle qu'ici, nous sommes en direct de la salle de contrôle, donc de CMS. Alors, si on va à la diapositive suivante, je vous fais juste remarquer que c'est des éléments qui sont gigantesques. Donc, quand il y a un petit bout de détecteur qui vient pour être remplacé, dans le pays de Gex, on est capable de faire des bouchons assez importants parce que vous voyez, on a des espèces de mille pattes qui circulent comme ça. Alors, les gens locaux sont plus très surpris de voir ce genre de choses passer, mais c'est vrai que sur l'ensemble du pays de Gex, on a quand même des éléments, des morceaux qui sont assez grands. Et si on passe à la page suivante, bah ici une vue donc du détecteur CMS. Donc, j'ai choisi cette photo parce qu'on voit donc des personnes qui sont situées un peu au centre, parce qu'ils étaient en train d'installer un détecteur au centre, un des détecteurs. Pour vous montrer un peu la taille, donc c'est 15 mètres de haut, hein, le diamètre de ça, c'est 15 mètres de haut. Et c'est un gros cylindre, donc vous l'imaginez, donc 15 mètres de diamètre et 20 mètres de long. D'accord? Donc c'est quand même des beaux bébés, quoi. Et donc, vous voyez ici, vous reconnaissez un peu, ah, pour revenir un peu avant, voilà, vous reconnaissez, vous avez des espèces de couches en concentrique. En fait, donc, de la collision, on va essayer de reconstituer en gros, toutes les particules qui s'en échappent. Et donc, à chaque couche, on est capable d'identifier, alors de mesurer les trajectoires, l'énergie, d'essayer d'identifier les particules. On essaie de faire une carte d'identité des particules avec ça. Si on passe à la diapositive suivante, on s'aperçoit que ici, pour être simple, alors quand Nathalie a introduit en disant c'est mon accélérateur, je suis très très fière, mais concrètement, on est très très nombreux. Voilà, on n'est pas du tout. En fait, on est des dizaines de milliers de chercheurs du monde entier à travailler. Donc, sur l'expérience CMS, par exemple, c'est à peu près 3 000, si je me rappelle bien. Et donc, après, ça se répartit sur les autres expériences, sur l'accélérateur. Et au bout du compte, c'est des dizaines de millions de milliers, pardon, de chercheurs du monde entier. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un pays tout seul, même deux pays tout seuls, peuvent pas faire ce genre de machine. Il faut vraiment qu'on s'associe à la fois au niveau des compétences, des chercheurs, des techniciens, pour pouvoir faire ce genre de machine. Et en fait, c'est ce que moi j'aime, enfin en particulier, ce qui me touche beaucoup en tant que chercheur, en tant que membre de cette collaboration, c'est que quand vous écoutez les journaux télévisés,
Ils annoncent beaucoup de mauvaises choses et vous avez l'impression qu'il y a des gens qui ne pourraient pas travailler ensemble. Il y a des pays qui ne peuvent pas travailler ensemble pour des raisons géopolitiques, etc. Et ben nous, chez nous aussi, c'est-à-dire que vous avez dans la même salle de réunion et mes collègues, ils sont aussi très bien du Pakistan, de la Chine, d'Israël, de Palestine, des États-Unis, de tous les pays que vous pouvez imaginer et qui, par ailleurs, oui, on a l'impression que normalement, on ne pourrait pas travailler ensemble alors que nous, on le fait depuis déjà des dizaines d'années. C'est de la recherche qui est désintéressée, hein, qui n'a pas d'application militaire ou quoi que ce soit, et donc qui permet ces collaborations extrêmement fructueuses, parce qu'on s'aperçoit qu'on a besoin de tous. Et c'est aussi, c'est pas que des chercheurs, c'est-à-dire qu'on a besoin vraiment d'une convergence de compétences administratives, chercheurs, techniciens, mais aussi tous les gens qui permettent de la logistique, qui permettent de faire avancer cette machine. Alors, je vais faire un dernier transparent sur le sujet pour répondre enfin à la question de Nathalie. Qui est quels sont les grands enjeux du LHC? Donc, si on peut aller à la diapositive suivante. Alors, je vous ai expliqué ici, en fait, en termes peut-être un petit peu scientifiques, mais je vais vous expliquer. En fait, ce projet du LHC a été approuvé en 1994. Vous voyez, ça vous donne un peu l'idée des échelles de temps pour ces projets. C'est des projets qui s'inscrivent dans la durée, qui ont besoin de beaucoup de temps pour faire de la recherche et développement, après la construction, après l'exploitation. Et en fait, en 94, on avait une liste de choses à faire. Et la liste de choses à faire, elle est ici, en fait. Vous savez, quand vous faites un projet, pour savoir si votre projet il est réussi à la fin, ce qui est important, c'est de comparer à la fin par rapport à ce que vous aviez prévu de faire, bah, qu'est-ce qui a été atteint et qu'est-ce qui reste encore à faire. Donc à l'époque, en 94, disons dans les années 90, qu'est-ce qu'on avait prévu de faire? On avait prévu de dire est-ce que le boson de Higgs existe ou non? Ça, c'était la première des questions à répondre. On avait aussi une deuxième point. Donc ça, vous avez entendu quand même que le boson de Higgs, on l'a trouvé en 2012. Hein, je ne vais pas y revenir dessus, mais voilà. Le deuxième point, c'était de dire est-ce que la supersymétrie existe? Alors là, on entre un peu dans un domaine nouveau. En fait, on a nos particules, nous, on est très... On peut être très poète dans le nom des particules et à la fois très, très cadré sur les classifications. On a des classifications de particules, on les met dans des cases et on s'aperçoit qu'il y a des cases qui sont vides, qui nous manquent. On aimerait bien remplir, que notre tableau il soit plus grand que ce que l'on voit. Et en fait, on aimerait bien les remplir avec des nouvelles particules qu'on appelle les particules supersymétriques. Alors, faut imaginer ces particules supersymétriques donc comme des particules de matière, voilà, qui sont un peu plus lourdes que la moyenne. Alors, vous allez me dire, mais d'où elles viennent ces particules? Ben, en fait, elles sont prédites théoriquement. Elles sont prédites. Leur existence est prédite sous certaines conditions. Mais l'avantage, c'est qu'en plus, si elles existent, elles pourraient nous aider à résoudre les problèmes fondamentaux de l'univers, en particulier un des problèmes qui est la matière noire. Vous avez peut-être entendu parler. Il y a dans l'univers, il nous manque de la matière, il nous manque de la masse, et peut-être qu'elle est composée de particules supersymétriques. Donc, le but du LHC, c'est d'essayer de voir si les particules supersymétriques existent ou non, peut-être qu'elles n'existent pas, et en même temps, si elles existent, est-ce que ça peut nous aider à comprendre la matière? Donc ça faisait partie de notre liste de choses à faire. C'est aussi tester des modèles qui vont encore plus loin, c'est-à-dire que est-ce que l'on vit dans un monde à trois plus une dimension, c'est-à-dire trois dimensions d'espace plus une de temps, ou s'il y a plus de dimensions que ça. Donc on rentre dans des choses qui sont plus complexes. Mais ça fait partie aussi des choses que le LHC essaye de traiter. On essaye aussi de mesurer ce qu'on appelle l'asymétrie matière-antimatière. Alors ça fait un peu science-fiction, mais en fait, c'est tout simple. L'antimatière, ça existe. Ce n'est pas un mystère. C'est-à-dire que vous, à l'heure où on se parle, on émet un petit peu d'antimatière parce qu'on est légèrement radioactif. Notre thyroïde, elle est très, très légèrement radioactive. Donc les réacteurs nucléaires aussi émettent de l'antimatière. L'antimatière, faut pas voir ça comme quelque chose de science-fiction. L'antimatière, c'est simplement de la matière. Et en fait, à chaque particule de matière que l'on connaît, un électron, vous avez tous entendu parler d'un électron, l'antimatière associée à l'électron s'appelle le positron, qui est une particule qui existe, fait partie de celle que vous émettez. Par exemple, vous êtes émetteur de positrons sans le savoir, comme le se pose qui fait de la prose sans le savoir, vous êtes émetteur de positrons sans le savoir. Et donc, cette particule, le positron, qu'est-ce qu'elle a de particularité? C'est qu'elle est comme l'électron, sauf qu'elle est chargée positive. Elle a une deuxième particularité, c'est qu'elle déteste son électron. C'est-à-dire que si elle voit un électron, elle s'aime pas du tout toutes les deux et elle se transforme en jet de lumière. Elle disparaît en gros en lumière, en énergie. Et on revient à E égale MC.
Donc l'antimatière, ça existe. Le seul mystère dans l'antimatière, c'est qu'il y en a très 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 peu. Même si vous êtes émetteur un peu d'antimatière, regarde dans l'univers, il n'y a que quelques traces d'antimatière par rapport à la matière. Alors qu'en fait, on s'attend à ce qu'il y en ait autant. Et du coup, on ne comprend pas bien pourquoi dans l'univers, l'antimatière, elle a perdu, entre guillemets, le jeu par rapport à la matière. Donc ça, le LHC essaye de répondre à ces questions. Le dernier point sur ma liste, ce qu'on appelle un plasma de quark et gluon. Et alors ça, c'est encore plus simple à comprendre. C'est simplement que quand l'univers était très très jeune, donc quand on remonte dans le temps en direction du Big Bang, il était très très jeune, il était très énergétique, il était beaucoup plus chaud que maintenant. L'univers a tendance à se refroidir avec le temps. Donc si vous allez faire le film en sens inverse, donc il se réchauffe en regardant dans le passé. Et il se réchauffe tellement qu'à un moment, il était tellement chaud, tellement énergétique, que les particules n'arrivaient plus à s'assembler telles qu'on les connaît maintenant. C'est-à-dire que le proton n'arrivait plus à s'assembler avec son électron. Mais même plus encore, les quarks qui d'habitude s'assemblent pour faire un proton, ils n'arrivaient plus non plus. Il y en a une espèce de soupe primordiale qu'on appelle le plasma de quarks et gluons. C'est une soupe un peu de particules élémentaires qui existait à l'époque, donc quand l'univers était très très jeune. Et en fait, nous, au LHC, on essaye de recréer un petit peu ces conditions d'énergie, de température d'univers, si vous voulez, pour essayer de reproduire ce plasma de quarks et gluons et de comprendre justement comment l'univers s'est formé, ou plutôt a évolué. Voilà. Et puis j'ai rajouté, etc., parce que comme je vous ai dit, c'est une machine qu'on appelle... alors nous, on appelle ça une machine, hein, c'est notre jargon, l'accélérateur, c'est une machine. Et donc, en fait, nous, on a notre machine, en fait, ce qu'on appelle une machine de découverte. C'est-à-dire que comme on génère des collisions à très très haute énergie, on n'est pas à l'abri de générer quelque chose qu'on n'avait pas prédit, pas prévu. Et je vais revenir après là-dessus. Voilà, c'est un peu nos enjeux d'accord. du LHC. Très bien. Donc là, on a mis un pied dans ce monde de l'infiniment petit qui est celui du LHC. Donc Claire, et en particulier au LHC, quand on visite cet accélérateur, on est frappé par la taille du détecteur. Qui est absolument impressionnant. Alors, sur New Aglaé, les tailles de détecteurs ne sont pas tout à fait les mêmes, mais les enjeux ne sont pas les mêmes non plus. Claire, est-ce que tu peux nous parler des enjeux de New Aglaé et des objectifs de vos recherches? Oui, absolument, Nathalie. Hop, pardon. Alors nous, effectivement, à quoi sert Aglaé? À quoi sert un accélérateur de particules quand on s'intéresse aux objets du patrimoine? Eh bien, il faut savoir que donc nous, ce que l'on fait, c'est de l'analyse par faisceau d'ions. Et ces analyses vont apporter des éléments de réponse à des questions de science des matériaux, questions qui vont s'insérer elles-mêmes dans une problématique plus générale. Alors ça peut être une problématique en sciences humaines et sociales, où là, on va essayer d'avoir une meilleure compréhension des sociétés, de leurs interactions dans des contextes géochronologiques bien définis. Et ça va être des questions, par exemple, essayer de caractériser des ateliers, des centres de production. On va s'intéresser aux procédés de fabrication, l'histoire des techniques, l'évolution de ces techniques de fabrication. On va s'intéresser aussi aux provenances des objets, aux routes commerciales de ces matériaux. En termes de sciences de la conservation, on va travailler, et c'est une des missions du Centre de recherche et de restauration du Musée de France, pour les 1280, si je ne dis pas de bêtises, musées de France qui peuvent tout à fait demander une expertise à notre centre, c'est l'authentification, évidemment, des œuvres d'art. S'agit-il d'un faux, s'agit-il d'un objet d'origine? Mais on va s'intéresser également aux mécanismes de dégradation, là, dans les problématiques de conservation du patrimoine. Et la liste n'est évidemment pas exhaustive. Donc l'analyse par faisceau d'ions, en bref, qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, les particules que l'on va envoyer sur la matière vont venir arracher des électrons de l'atome cible. Ces électrons, donc ils sont en vert, là, sur la petite animation, des électrons d'une couche supérieure vont venir combler la lacune électronique. Et ce phénomène est systématiquement accompagné d'une émission d'un rayonnement électromagnétique qu'on appelle rayon X.
Ces rayons X vont avoir une énergie particulière en fonction de la nature de l'atome. Donc nous, on va mettre des détecteurs de rayons X et on va déterminer l'énergie de ces rayons X et on va pouvoir identifier l'atome cible. Alors évidemment, donc quand on fait, pardon, quand on réalise cela, on fait ce qu'on appelle du PIX, qui est l'acronyme pour Particle Induced X-ray Emission. Bien sûr, quand on envoie un faisceau de particules sur des atomes, les particules vont également entrer en collision avec les noyaux des atomes cibles. Donc le nucléus, il va donc se produire ce qu'on appelle une réaction nucléaire, et certaines de ces réactions nucléaires vont être accompagnées d'une émission d'un autre type de rayonnement électromagnétique, plus énergétique que les rayons X, et qu'on appelle rayon gamma. Et donc là, on va faire non plus du PIX, mais du PIGE pour Particle Induced Gamma Ray Emission. Ces deux techniques combinées vont permettre non seulement d'identifier, mais également de quantifier les atomes présents dans la matière. Chose importante à savoir, le PIX, parce qu'il y a d'autres techniques d'analyse qui permettent d'identifier et de quantifier les compositions élémentaires, mais le PIX est une technique, le PIX et le PIGE combiné, c'est une technique qui permet d'accéder aux éléments traces, et ça, je reviendrai tout à l'heure, ce sont des éléments qui sont présents, mais en infime quantité, on ne compte même plus en pourcents, mais on va compter en ppm, en parties par million, et c'est ces éléments-là qui sont des signatures que l'on va chercher dans les problématiques qui nous intéressent. Alors, on peut regarder aussi d'autres types d'informations. Par exemple, que devient la particule une fois qu'elle a interagi avec la matière? Donc là, on va regarder la particule rétrodiffusée. Et l'énergie de cette particule va dépendre non seulement de la nature de l'atome cible, mais également de sa position par rapport à la surface, donc de sa profondeur. Donc ça va permettre de faire des profils de concentration et de façon non destructive directement à la surface de l'objet sans aucun prélèvement. Donc deux exemples pour illustrer ça, deux exemples historiques, j'ai envie de dire, sur des œuvres importantes pour le Louvre. Le scribe accroupi, que tout le monde connaît, du département des antiquités égyptiennes du Louvre. Là, la question qui se posait était très très loin de la physique des matériaux. La question était: comment l'artiste a-t-il réussi à donner vie à ce regard qui est absolument fascinant. Donc bien sûr, une des questions sous-jacentes était quels matériaux ont été employés. Et là, il a fallu faire appel au micro-faisceau d'Aglaé, bon, puisque c'est quelques dizaines de microns de points d'analyse. Une autre technique d'analyse n'aurait pas permis d'aller analyser le blanc de l'œil, par exemple. On aurait eu une analyse globale de la pupille, du blanc et peut-être même des paupières. Donc, les analyses ont révélé que le tour était réalisé, le contour de l'œil était réalisé en cuivre arsenié, que la pupille était faite en cristal de roche. Donc, on ne détecte que du silicium et donc aucun élément trace. Donc, on a un gemme d'une pureté incroyable. L'artisan a choisi une pupille transparente sans aucune impureté. Et pour le blanc de l'œil, il s'agit d'une magnésite, un carbonate de magnésium. Mais chose intéressante, riche en hématite, cet oxyde de fer rouge. Et il faut savoir qu'au quatrième millénaire, pardon, troisième millénaire avant Jésus-Christ, époque de création du scribe accroupi, nous avons des mines de magnésite qui sont exploitées, mais une seule contient de la magnétite. Et c'est celle-là qui a été choisie et pour reproduire les petits. On essaye de mieux comprendre l'origine de l'univers, comment l'univers s'est formé. J'ai envie de dire que la question centrale que l'on aborde grâce à ces études et à ces recherches, c'est ben, d'où vient-on?
Et finalement, ce qu'on se rend compte que, ben, on apprend bien sûr beaucoup de choses grâce à ces machines, mais qu'il y a énormément encore à apprendre. Et donc, c'est aussi une leçon d'humilité que l'on reçoit régulièrement en faisant ces recherches quand on se rend compte de tout ce qu'on a encore à découvrir. Voilà. Je suis vraiment désolée que la conférence se soit comme ça arrêtée brutalement. Est-ce que vous souhaitez poser quelques questions? Je ne sais pas, Vanessa, si tu as des questions qui t'arrivent par Internet. Ah ben non, il n'y a plus d'Internet, peut-être. Oui, Nathalie. Alors, j'ai eu le temps d'avoir quelques questions. Tu y as déjà partiellement répondu, notamment des questions sur les possibilités de visite au CERN qui intéressent beaucoup de monde et sur les possibilités de stage également. Oui, très bien. Alors, c'est... Ah ben voilà, Gaëlle revient. Gaëlle Oui, je revient. suis revenue pour la question. Alors, tu es pile poil pour la question, Gaëlle. Oui, merci. Alors, désolé, voilà, on a été interrompu, mais j'ai vu. Voilà. Alors, pour la question visite au CERN, donc les visites au CERN sont possibles. Et en particulièrement le détecteur CMS, donc qui est au-dessus. Et en plus, l'avantage, c'est qu'ici, jusqu'en février, le détecteur, il est ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, la partie compacte, on sépare un peu parce qu'on opère à l'intérieur. Donc, on descend à 100 mètres sous terre et vous êtes très, très proche de ça. Et pour ça, il suffit d'aller sur le site web du CERN, vous tapez CMS visite et vous pouvez trouver comment vous inscrire à des visites. Donc les visites sont organisées, c'est pas des guides professionnels, hein, c'est nous les chercheurs qui sont ravis de vous montrer nos installations et vous êtes le bienvenu. On a des restrictions pour le Covid, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir des gros groupes, évidemment. On peut pas, on interdit pour le moment en dessous de 16 ans parce que c'est compliqué pour les histoires de passe sanitaire, etc. Vous pouvez imaginer. Évidemment, masques sont obligatoires, passe sanitaire. Et voilà. Mais donc après les restrictions qui sont malheureusement un peu subies partout dans le monde, on accepte les visites. Donc moi, je vous conseille, si vous voulez faire une visite, faites-le avant février à peu près, en février. Au-delà, les visites sont toujours possibles. Mais comme l'accélérateur va redémarrer, on pourra plus descendre, je dirais, en bas dans les cavernes expérimentales. Voilà. Et alors, pour faire des stages, alors c'est aussi possible. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fonctionnement du CERN, il y a très très peu de physiciens basés. Alors, il y a quand même un peu de physiciens basés au CERN. C'est beaucoup, comme moi, je suis physicienne à Lyon et basée au CERN. Et en fait, l'essentiel des physiciens qui travaillent sur les expériences, l'accélérateur, c'est un petit peu moins vrai, c'est plus les physiciens du CERN, mais les physiciens qui travaillent sur les expériences sont essentiellement voilà, des gens qui sont envoyés par leurs instituts d'origine sur place. Donc, ce qui met un petit peu de complexité, parce que moi, par exemple, quand j'accueille des stagiaires, ils sont de l'université de Lyon, il faut qu'ils se déplacent sur le CERN, donc ça met un petit peu de complexité. Mais malgré tout, on accueille des stagiaires, alors voilà, dans des conditions un peu compliquées parce qu'il faut être pas forcément sur Lyon, mais basé au CERN. Mais pour les gens qui sont voilà, pas flexibles sur leur localisation pendant leur stage, c'est tout à fait C'est possible souvent d'un de niveau contacter. master, hein, Gaël, C'est c'est alors c'est au souvent. niveau master, mais on a même accueilli des stagiaires de troisième, hein, qui D'accord. sont ravis de passer une semaine avec nous et pour voir des belles choses. Non, c'est tous les niveaux évidemment. On accueille plus favorisablement les masters, mais on peut accueillir tous les niveaux. Donc, ce que je vous conseille pour ceux qui veulent faire des stages, ça dépend un peu c'est cas par cas, mais n'hésitez pas à contacter les physiciens ou vos enseignants qui sont associés voilà, à votre université. Ils peuvent mettre en contact avec les physiciens qui travaillent au CERN, comme moi ou d'autres. On est nombreux. C'est un petit peu moins simple qu'un stage classique, mais. Il faut dire que le CERN ne fonctionne pas toute l'année. Il y a des périodes de fermeture, il y a des périodes. Alors, il y a des périodes, on fonctionne malgré tout toute l'année sur les analyses de physique, etc. Là, pour le moment, l'accélérateur est à l'arrêt, donc jusqu'en février. Ça n'empêche pas que, par exemple, des stagiaires peuvent travailler sur ce qu'on fait sur les détecteurs, parce on met des détecteurs, on les améliore. L'analyse de physique, elle s'arrête jamais, parce qu'on en a pour, disons, à dépouiller toutes nos données. Donc, il y a des choses qui varient en fonction d'effectivement, bon, le CERN, il est. L'accélérateur démarre au run 3 à la plus haute énergie. On va être très, très excité par ça au printemps. Donc, c'est vrai que les stagiaires de printemps vont pouvoir
potentiellement analyser des données toutes fraîches, puisque les autres, elles datent de 2018. On s'est arrêté en 2018. On a eu un arrêt long du LHC pour augmenter l'énergie. Voilà. Claire, est-ce que, puisqu'on a, on n'a pas énormément de temps, est-ce que tu voulais nous donner un ou deux exemples de résultats marquants que vous avez obtenus sur New Aglaé? Oui, je vais parler de quelques résultats. Donc, avec le nouvel accélérateur, je vais parler d'application tout de suite. Hop, voilà. Des résultats qui sont assez. Alors. Ou à partir de 2009, on a commencé à vouloir automatiser le nouvel Aglaé. Donc, on avait trois axes sur cette équipex. On a été lauréat d'un appel à projet équipex, donc les équipements d'excellence de l'Agence nationale de la recherche. Et donc, ces trois axes, il s'agissait de développer un multidétecteur, de travailler également en mode imagerie systématique, non pas qu'on ne le faisait pas avant, mais ça nécessitait de la part de l'utilisateur une demande spécifique et puis une installation du setup par l'équipe pendant un jour ou deux. Et donc là, l'idée, c'était vraiment que l'utilisateur puisse choisir s'il voulait travailler en mode ponctuel ou balayer une zone d'intérêt. Et enfin, l'automatisation de la ligne pour pouvoir travailler 24 heures sur 24, comme au CERN, augmenter le temps de faisceau. Donc, en ce qui concerne le multidétecteur, donc voilà ce multidétecteur où on a ici, dans cette configuration-là, 1, 2, 3, 4 et 5 détecteurs PIX. Le détecteur gamma ici, et on va avoir d'autres types de détection, comme ici la ionoluminescence, donc c'est la lumière qui va être générée sous le faisceau de protons, ou un détecteur RBS éventuellement, qui est ici annulaire dans la ligne. Donc, on a changé notre système de détection, mais bien évidemment, il fallait valider que tout ce qu'on allait faire avec le nouveau détecteur puisse être comparé avec ce qu'on avait fait avec l'ancien système de détection. Et donc, on a certains, on a des standards, évidemment, des étalons qui nous permettent de travailler, de valider notre nouveau détecteur. Et en particulier, on a des programmes de recherche sur plusieurs années. Là, c'est un programme de recherche sur la varicite qui a duré une quinzaine d'années. L'objectif était le suivant. La varicite, ce matériau vert très particulier, qui est un aluminophosphate, est utilisé au néolithique. On le retrouve sous forme de perles, comme dans des sépultures, avec une fonction sociale. Plus le défunt a un rang social élevé, plus il y a de rangs de perles et de pendeloques. Mais la question que se posaient les archéologues était d'où vient la matière première. Donc, il y a plusieurs gisements de varicite qui sont connus en Europe occidentale, qui sont représentés ici avec les petites étoiles. Et voilà les sites préhistoriques avec des bijoux en varicite. Donc, dans la région de Carnac, en particulier, on retrouve ces sites. Et la première idée des archéologues était de se dire, eh bien, il y a un gisement de varicite dans le massif armoricain. Ils ont dû se servir sur place et faire ces objets directement sur place. Donc, on fait des analyses de ces objets en PIX. Donc, on va chercher la composition élémentaire de ces objets. On compare à un objet géologique et on se rend compte que pas du tout, ça ne correspond pas. Donc, d'où vient la matière première? Point d'interrogation. Donc, comment faire pour identifier ces gisements? Eh bien, on va élaborer ce qu'on appelle un modèle chimiométrique de provenance, c'est tout simplement un algorithme qui va permettre de discriminer chaque source géologique
de façon sûre et définitive, sans aucune ambiguïté. Donc on regarde dans un premier temps les proportions de vanadium, chrome et fer. Si on est dans ces proportions-là, alors on sait que c'est le site de Panacée. Si ça n'est pas le cas, on va regarder si le fer est contenu entre 40 et 100% et le rapport chrome, etc., etc. Et on est capable d'identifier la source géologique. Une fois que ce modèle chimiométrique, donc ça, ce sont des années de recherche, ce sont au minimum deux thèses pour arriver à ce modèle chimiométrique. Une fois qu'il est validé, eh bien, les analyses réalisées sur les objets archéologiques, les résultats, on les passe par ce même modèle, ce même algorithme. Et là, que voit-on? On voit qu'entre 5000 ans et 4000 ans avant Jésus-Christ, les objets en varicite, la matière première provient de Encina Sola, qui est un site dans le sud-ouest de l'Espagne actuelle. Donc déjà, les archéologues sont ravis, puisqu'on démontre comme cela que les échanges à l'époque néolithique existent bel et bien. Et d'autre part, on se rend compte qu'à partir de 4000 ans avant Jésus-Christ, on change de fournisseur, j'ai envie de dire, on change de gisement géologique, on reste en péninsule ibérique, on reste en Espagne, mais on est plusieurs centaines de kilomètres plus au nord. La première source n'est pas tarie, elle est toujours, il y a toujours de la matière première, donc c'est qu'il s'est passé un événement, on ne sait pas lequel, bien évidemment, mais un événement historique majeur, probablement, une guerre, une épidémie, on est incapable de le dire, mais il s'est passé un événement dans la société de l'époque qui s'est traduit par un changement de matière première dans ces objets. Donc cet exemple est très significatif de notre métier d'archéomètre, de physicien au service du patrimoine, puisque grâce à la physique nucléaire, on a permis de mettre en évidence un événement historique datant du néolithique, dont on n'avait absolument aucune idée. Donc Aglaé a pu faire parler les objets du patrimoine, ces objets étant venus sur Aglaé et sont repartis ensuite en vitrine de musée, les analyses étant totalement non destructives. Donc, en ce qui concerne l'imagerie systématique, donc d'un côté, nous avons nos détecteurs. De l'autre, on a choisi de travailler en mode liste, c'est-à-dire que chaque événement, donc chaque particule, chaque photon X ou gamma détecté va être détecté en coïncidence avec la position de la particule sur l'objet. Donc on va balayer notre zone d'intérêt en défléchissant le faisceau sur quelques centaines de microns, puis on va bouger l'objet pour pouvoir balayer une zone allant jusqu'à plusieurs millimètres, voire centimètres carrés. Un intérêt pour cela, c'est la cartographie. Et c'est le dernier exemple que je vais donner. Ce sont des ivoires du 8e siècle avant Jésus-Christ qui viennent de Syrie. Et ces ivoires étaient très probablement polychromes. On a des traces de polychromie, mais on est incapable de dire de quelle couleur étaient ces ivoires à l'origine. Donc on a fait quelques zones d'analyse en proton de 3 MeV. Et là, que voit-on? Eh bien, on voit déjà d'une part le calcium qui va révéler la topographie de l'objet, les trous, les fissures, etc. On se rend compte que aluminium, silicium et fer se trouvent dans les infractuosités, les rugosités de l'objet. Donc, c'est très probablement des traces de sédiments. Par contre, le cuivre et le plomb, quant à eux, sont répartis de façon beaucoup plus homogène et sur des zones bien définies. Donc le cuivre et le plomb sont des traces de polychromie ancienne. Quand on regarde d'un point de vue quantitatif, le plomb et le cuivre, et le rapport plomb sur cuivre, on se rend compte que selon les zones de l'objet, on a des rapports différents. Si on part du postulat que le plomb est une trace de polychromie blanche, donc le blanc de plomb, le carbonate de plomb utilisé
depuis l'Antiquité, et que le cuivre est un élément de bleu égyptien, eh bien, on va pouvoir proposer une reconstruction avec un camailleux de bleu en fonction des zones analysées. Et donc ça va donner une autre lecture de l'objet à l'historien d'art, puisqu'il devient polychrome, et donc on a une autre perspective et une autre lecture de l'objet. D'accord. Alors, Claire, je vais peut-être t'interrompre m'arrêter parce là, que Nathalie, si... je voudrais donner la parole à Gaëlle pour qu'elle nous donne aussi un exemple de résultat important qui a été obtenu au LHC. Oui, alors je vais faire sans transparent comme ça, je vais faire avec les mains. Je pense qu'on a tous en tête le boson de Higgs qui a été découvert au LHC. Je vais y revenir un tout petit peu. Donc, le boson de Higgs a été découvert en 2012. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une quête qui a duré 50 ans. Donc, voilà. Très bien. Voilà. Merci pour la projection. Donc, on a découvert le boson de Higgs, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette découverte, on ne savait pas si le boson de Higgs existait ou pas. Et en fait, le but du LHC, le premier but dont j'ai mentionné, c'était de dire est-ce qu'il existe ou pas. Parce que c'est pas parce qu'on le cherche qu'il existe, d'accord. En fait, on avait émis l'hypothèse de son existence de façon théorique, c'est-à-dire que nos modèles nous disaient que si on a un boson de Higgs dans la nature, notre matière elle est mieux parce qu'elle donne la masse. En fait, ça apporte de la cohérence, de la stabilité à nos modèles, et que s'il n'y a pas de boson de Higgs, c'est beaucoup plus compliqué d'expliquer ce qu'on voit. Donc c'est pour ça que le boson de Higgs a été introduit par Monsieur Englert-X qu'on voit ici, qui était venu en 2012, qui ont inventé ça dans les années 60. Hein, alors quand je dis inventé, c'est le résultat de leur recherche théorique, d'un modèle qu'ils ont construit et qui introduisait ce boson de Higgs. Et donc, pour vous donner donc l'importance de ce boson de Higgs, c'est que ça fait donc justement 50 ans qu'on le cherchait avec différents accélérateurs. Il y a l'accélérateur qui a présenté le LHC qui s'appelle le LEP, qui a essayé de le chercher, qui n'a pas trouvé, mais qui n'a pas pu répondre à la question s'il existait ou pas. Simplement, on a balayé une zone en énergie, on a dit « il ne se trouve pas là », mais c'est comme quand vous fouillez un grenier. Vous fouillez tous les recoins, mais tant que vous n'avez pas fait justement tous les recoins, vous ne pouvez pas dire « il n'y a rien » ou « il y a quelque chose ». Donc, on en était à fouiller ça. Il y a eu l'accélérateur qu'on appelle le Tevatron, donc près de Chicago aux États-Unis, qui a essayé aussi de chercher désespérément le boson de Higgs, mais il a échappé au Tevatron. Et éventuellement, nous, le LHC, on a réussi à le trouver, mais au départ, c'est la nature, elle fait ce qu'elle veut encore une fois. C'est pas parce qu'on cherche quelque chose que ça existe. Et donc, du coup, quand on a réussi finalement à mettre en évidence, donc ça a été très dur. Alors, pourquoi ça a été très dur aussi? C'est parce qu'il a une certaine masse qu'il fallait. Donc, une énergie suffisante d'accélérateur, encore une fois, E égale MC2, pour générer ce boson de Higgs. Les détecteurs associés qui pouvaient détecter les produits de désintégration du boson de Higgs, parce que le boson de Higgs, il est très fugace. Hein. On ne détecte pas un boson de Higgs. On détecte comment il se désintègre. Par exemple, un boson de Higgs, quand il va être créé, il va disparaître de suite. Une des façons de disparaître, c'est qu'il va émettre deux particules de lumière, deux photons. Et donc, on va essayer de détecter ces deux photons. Parmi les milliers de photons qu'on obtient lors d'une collision. Donc, il s'agit de les identifier. Donc, c'est des choses très, très précises au niveau de la détection, etc. Donc, ça a mis 10 ans. Les gens ont passé leur carrière sur le boson de Higgs pour vous donner, enfin, venez, voilà, c'est 50 ans de recherche. Donc, le boson de Higgs, quand il a été trouvé, moi, j'étais pas au début de ma carrière, mais c'était encore peu avancé. C'est quelque chose d'exceptionnel dans une recherche. Mais est-ce qu'on réduit le boson de Higgs, le LHC au boson de Higgs? Bien sûr que non. En fait, depuis, qu'est-ce qu'on fait? C'est que d'abord, on essaye de mieux le comprendre. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on a réussi à le créer. Donc maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est de reconstituer les conditions pour en créer d'autant plus et pouvoir mieux le comprendre sous toutes les facettes. Parce que c'est une particule qui reste encore très, très, très mystérieuse. Donc ça, on a fait beaucoup de progrès là-dessus. Mais on cherche aussi à créer des nouveaux agencements. Par exemple, on a réussi à créer au sein de ce qu'on appelle des pentaquarks. Et sans penser, n'était pas complètement convaincu que ça pouvait tenir ensemble un assemblage, fait une particule, qu'on appelle le pentaquark. Et on a réussi, fugacement, à créer ces nouvelles particules. Et donc, ça nous permet de comprendre beaucoup mieux comment les quarks interagissent entre eux. Et encore une fois, de comprendre l'univers. Après, ce qu'on a réussi à faire, c'est aussi des non-découvertes.
Ça paraît toujours un petit peu compliqué à comprendre. Mais l'idée des non-découvertes, c'est le concept suivant. C'est que, par exemple, pour expliquer des mystères, vous avez plein d'hypothèses. C'est ce qui se passe dans les, par exemple, dans les romans policiers ou dans un film policier. Voilà. Il y a eu un mystère, un meurtre, quelque chose comme ça. Et vous avez différents potentiels candidats qui peuvent être, voilà, suspects, des plus suspects. Et petit à petit, vous, votre rôle, c'est d'éliminer un à un les suspects pour qu'il n'en reste qu'un. Et en fait, nous, ce qu'on fait au LHC, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a des mystères, par exemple, les mystères dans l'univers, les mystères de la matière noire. On ne sait toujours pas ce que c'est, mais on a des candidats, des suspects. Et graduellement, on a éliminé toute une série de projets, de suspects, pardon, qui permet de réduire un petit peu la fenêtre. Mais évidemment, le Graal, c'est de découvrir le et l'unique suspect, et on n'en est pas encore là. Mais on progresse. Et là, on a fait vraiment une progression colossale dans ce chemin-là. Il reste encore beaucoup à parcourir, et surtout que le mystère de la matière noire, il peut nous échapper et dire que finalement, c'était un autre suspect qui n'était même pas dans notre liste encore. Donc, ça, c'est l'avenir qui nous dira. Merci beaucoup Gaëlle, merci beaucoup Claire. On arrive au bout du temps qui est un petit peu imparti à cette conférence, mais je voudrais encore une fois laisser la parole à la salle si vous avez des questions, si vous avez des mystères à éclaircir avec Gaëlle et Claire. Peut-être que Vanessa, si tu as des questions Internet qui sont arrivées depuis, n'hésite pas. Oui, monsieur. Alors, où en est l'avancement du super LHC? On t'entend pas, Gaëlle. J'avais oublié d'appuyer sur le micro. Donc, je reprends. En fait, il s'appelle plus Super LHC maintenant, mais il s'appelle HL LHC pour High Luminosity LHC. Et donc, c'est un projet qui aura lieu dans la fin des années 2020, qui est tout à fait sur les rails, puisque aujourd'hui même, je vous parle de ça, il y a à côté de CMS, on est déjà en train de construire tout ce qui a l'appareil autour qui permettra donc d'accueillir ce super LHC. Alors, pourquoi on appelle ça super LHC? Parce qu'en fait, on va augmenter de façon significative l'intensité des faisceaux. En fait, on va pouvoir générer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de collisions que ce que l'on fait aujourd'hui, et ça nous permettra donc d'explorer encore plus loin les phénomènes très, très rares qui nous manquent à l'appel. Donc ça, c'est le premier projet. Donc non seulement il est bien, mais il est en route, il est financé et il aura lieu. Mais évidemment, là, on va démarrer ce qu'on appelle le Run 3. Donc pendant les 2, 3 prochaines années, on va se réarrêter pour finir HL LHC, la construction, et redémarrer. Donc on sera dans les fins des années 2020, si vous voulez. Au-delà de ça, parce que nous, nos projets sont tellement longs qu'on a besoin de dizaines d'années de concept, voilà, pour préparer la suite. Il y a eu ce qu'on appelle la stratégie européenne de physique des particules. Donc, c'est tous les pays européens qui se mettent autour d'une table et pendant 2 ans réfléchissent à quel doit être le futur de la physique fondamentale. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est qu'il faudrait faire un accélérateur plus puissant qui permette de ce qu'on fait une usine à Higgs. C'est-à-dire que voilà, générer beaucoup, beaucoup de Higgs qui nous permettrait, nous, au niveau scientifique, de comprendre au-delà. Et alors, cette usine à Higgs, elle ne pourra pas se fabriquer avec l'accélérateur actuel, même le super LHC dont je vous parle. Il faut encore faire encore plus grand. Et l'idée, c'est de dire qu'il faut un accélérateur qui fasse, cette fois-ci, pas 27 km, mais une centaine de kilomètres. Alors là, le projet, il n'est pas du tout lancé, parce qu'en fait, on en est au stade de dire. Donc, puisque la stratégie européenne dit qu'il faut faire ce genre d'accélérateur, maintenant à nous de comprendre la feasibilité technique, est-ce qu'on est capable de faire ça? Et la feasibilité géographique, est-ce qu'on est capable d'installer un accélérateur de 100 km donc autour du CERN? Et après, la feasibilité aussi financière, parce qu'évidemment, ça fait partie de l'équation, c'est une des paramètres de l'équation. Donc ça, voilà, le projet est encore à faire, mais c'est voilà, l'idée. Et là, on en est, pour si jamais ça converge, c'est 2030, 2035.
la finance est effectivement très importante dans ces projets. Sure. D'autres questions? N'hésitez pas, oui, monsieur. Alors, pourquoi 100 mètres sous terre, Gaëlle? C'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs réponses à cela. Alors, la première réponse, elle est déjà, comment dire, elle est environnementale. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse faire traverser dans des champs, devant votre maison, un accélérateur qui soit aussi gros. Donc, on le met sous terre, comme ça, on ne le voit pas. On ne le voit pas et on peut traverser... des champs passés sous les maisons. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, j'habitais à Saint-Genis-Pouilly, et en fait, l'accélérateur était vraiment sous l'immeuble où j'habitais, et donc sans gêner personne. Donc ça, c'est la première, je dirais, idée pragmatique, entre guillemets. Et la deuxième idée importante, c'est ce qu'on pourrait être pas si profond que 100 mètres sous terre, mais c'est pour se protéger aussi de tous les parasites, c'est-à-dire, alors nous, nos parasites, c'est les particules qui nous viennent du ciel, qui sont ce qu'on appelle les rayons cosmiques. On est traversé par des particules sans arrêt, et en fait, se mettre sous terre aussi profond nous permet d'avoir un filtre. En fait, les 100 mètres nous permettent de filtrer ces particules et donc de ne pas perturber nos mesures. Voilà, c'est les deux idées principales. Merci, c'est vrai que c'est important. Oui. Pourquoi avoir besoin de... Ah, pourquoi une si grande circonférence? Oui, c'est encore une fois une bonne question. En fait, si vous regardez l'historique des accélérateurs, en fait, on avait des accélérateurs plus petits au début, et puis on met toujours plus grand. Et puis, comme je vous ai dit, on parle de 100 km pour le futur, 2030, 2035. En fait, l'idée, c'est que les particules, plus elles vont vite, donc plus elles sont énergétiques, et plus elles détestent être courbées. Et plus on les courbe, et plus elles résistent. Donc, si on veut augmenter l'énergie, il faut diminuer le rayon de courbure. Si vous voulez. Et donc, du coup, on est obligé de faire des cercles toujours plus grands pour pouvoir se permettre d'augmenter en énergie et donc d'accéder à des nouvelles particules, parce qu'encore une fois, E, c'est MC2. Donc, si vous augmentez E, vous augmentez la possibilité de créer des particules d'autant plus massives pourrait expliquer beaucoup de mystères. Donc voilà, la taille est liée à l'énergie. Voilà, pour faire simple. Oui. Alors, tu as marqué sur une diapo trou noir et pourquoi pas. Alors, le pourquoi pas vous intrigue. Voilà. Ah, c'est bien. C'est une bonne... Alors, moi, au départ de ma formation, j'ai fait de l'astrophysique. Au cours de ma thèse, je devais une partie de mes travaux de recherche, c'était de rechercher les trous noirs quand l'univers était très très jeune, en fait de rechercher les traces de ces trous noirs, avec l'idée de dire que ces trous noirs, quand l'univers était très très jeune, donc ils étaient petits, on appelle des petits trous noirs, c'est parce qu'ils n'étaient pas issus de l'effondrement des étoiles comme maintenant, puisqu'il n'y avait pas d'étoiles à l'époque, hein, l'univers était très très jeune. Et donc, ils étaient juste issus, en gros, de cette espèce de soupe initiale. Donc, ils étaient petits. Et comme ils sont petits, ils ont une propriété. Alors là, je vous envoie à Stephen Hawking qui a expliqué ça très bien. Ils sont petits, ils s'évaporent. Ils s'évaporent en particules. D'accord. Donc, un début de ma thèse, c'était d'essayer de rechercher la signature avec les particules de l'existence de ces trous noirs qu'on appelle primordiaux. Alors, c'est une recherche qui est compliquée. On n'en a pas vu encore, mais voilà. Et d'un coup, au cours de ma carrière, je suis passée de cette recherche, parce que j'étais à l'époque doctorante, étudiante en thèse, au CERN. Et là, j'ai appris que, en fait, les théories qui permettaient donc de générer des trous noirs à l'époque de l'univers très très jeune pouvaient potentiellement nous faire qu'on pouvait créer des trous noirs avec l'énergie de collision au moment de la collision des trous noirs. Alors, au début, ça surprend un petit peu. Après, on s'aperçoit que cette théorie qui prédit en gros la formation de trous noirs au cœur du LHC au moment des collisions. C'est une théorie qui implique l'existence de plein de dimensions supplémentaires, 26. Et donc du coup, c'est quand même une théorie qui n'est pas forcément très... voilà, la probabilité de créer un trou noir au LHC est infiniment plus faible que vous de gagner au loto, même si vous jouez qu'une fois. Donc du coup, c'est fait. Mais malgré tout, c'est
pourquoi pas. Et alors, du coup, moi, j'étais très contente parce que je me suis dit, j'ai passé 3 ans de ma thèse à chercher des trous noirs au fin fond de l'univers, ce qui n'est pas facile. Là, on me l'écrirait au milieu de détecteur le plus grand du monde, vraiment. Je pourrais détecter les particules immédiatement qui sont issues de son évaporation. Donc, ça serait super, un super complément. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil au trou noir. Ça me rappelait ma jeunesse. Alors, il faut être quand même raisonnable. Hein. La probabilité, voilà, de créer un trou noir au cœur du LHC, je pense qu'on comprendra la matière noire avant de créer un trou noir. Voilà. Mais c'était un petit clin d'œil sur ma vie passée où ça aurait été beaucoup plus simple de chercher les trous noirs juste sous mes pieds plutôt qu'au fin fond de l'univers très très jeune. Voilà. Oui. Y a-t-il d'autres risques lors de collisions de particules, donc de très haute énergie? Alors d'abord, la création de trous noirs ne doit pas être un risque. Ça devrait être au contraire à mon avis, si on crée un trou noir, la physique, elle va être très très enrichie. C'est pas dangereux. Et les autres risques, c'est le risque de découvrir des choses inconnues. Voilà. Donc c'est encore une fois de créer des particules qu'on n'avait pas imaginées. Par exemple, je donne un exemple. Peut-être si Julien peut trouver le slide où c'est marqué 2015. Thing, s'il peut trouver ça et le projeter, ça serait bien, parce que je vais vous expliquer donc en 2015 ce qui s'est passé. C'est quand on faisait tourner l'accélérateur depuis déjà quelques années, on avait trouvé le boson de Higgs, et puis soudain, en 2015, on s'aperçoit que dans nos données, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a vraiment une bosse qu'on appelle une bosse, c'est-à-dire que vous attendez à avoir un continuum de particules. Voilà, merci pour la diapositive. Et si vous regardez au milieu, un petit peu autour de, dans toute cette 100, vous voyez que par rapport au trait rouge, le trait rouge, c'est ce qu'on attend. Voilà. Et les points noirs, c'est ce qu'on mesure. D'accord. Et vous voyez que, alors au début, à gauche, là, il y a des barres d'erreur très grandes, donc on peut pas dire grand chose, mais on s'aperçoit qu'au milieu, il y a quelque chose qui quand même, est pas tout à fait comme on les prédit. D'accord. Donc du coup, on se dit, tiens, il y a quelque chose. Et alors le truc en plus, c'était qu'à cet endroit-là, il n'y avait aucun modèle qui nous présidait quelque chose. Il y a des fois des modèles qui nous disent, tiens, vous pouvez avoir une nouvelle particule ici et là, et on vérifie tout ça. Et alors ce qui était terrible, c'est que quand on a découvert ça, c'était fin 2015, donc décembre 2015, et l'accélérateur devait s'arrêter pour un arrêt d'hiver jusqu'en 2016. Donc il fallait attendre quelques mois avant de pouvoir avoir un petit peu plus de statistiques et de confirmer ou d'infirmer. Et si on passe à la diapositive suivante, en 2016, on a redémarré. La diapo suivante, voilà. Et en fait, ce thing est devenu non-thing. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que quand on rejouait au dé, parce que nous, nos collisions, c'est en gros jouer au dé. Et donc, ce qu'il voulait, c'est que en 2015, on a joué au dé, on a obtenu plein de fois 6 avec le même dé. Donc, je dis, ah tiens, le dé a quelque chose, il est pipé, il y a quelque chose. Et en fait, quand on a relancé le dé, on s'est aperçu qu'on avait de nouveau le nombre de 6 qu'on attendait, etc. Et donc, c'est ça, quel est le risque? C'est de trouver quelque chose qui nous surprend, d'essayer de, à la fois, pas trop, de rester la tête froide pour dire, mais qu'est-ce que ça peut être, et corriger, recomprendre, retourner. Et éventuellement trouver quelque chose de nouveau ou pas. Donc, je pense que le risque, c'est le risque de connaissance au LHC. Voilà. On va prendre une dernière question. Ah, Claire, Claire revient. On est désolé, Claire, il y a des soucis de connexion. Alors, une dernière question. Oui, allez-y. Je ne sais pas si tu as entendu la question. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la théorie des cordes et puis les expériences que vous pouvez réaliser sur le LHC? Alors, effectivement, on essaye de... Alors, théorie des cordes, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Mais bon, alors, si on rentre là-dedans... Non, oui, je pense que... pour faire simple, il y a des théories qui vont au-delà de ce qu'on appelle le modèle standard. C'est-à-dire que le modèle standard des particules, c'est des choses qui... vous explique quelle est la classification, les quarks, les électrons, le boson de Higgs, etc. Mais ce qu'il faut être bien conscient, c'est que notre univers, il reste quand même très très mystérieux. Donc, notre univers, il s'étend, voilà, il s'étend et il le fait en accélérant, on comprend pas pourquoi.
On a des phénomènes aussi de matière noire, donc d'énergie noire. Et donc, du coup, c'est le siège. Du coup, nous, entre physiciens, on déteste ne pas comprendre. Et malgré tout, on a l'impression qu'on ne comprend pas grand-chose. Donc, on élabore des théories qui nous permettent d'essayer d'expliquer au moins en partie ce qu'on voit. La théorie des cordes est l'une des explications pour expliquer un petit peu le tout début de l'univers. Malheureusement, le LHC essaye de sonder. Il aurait tendance à... je dirais, à mettre la théorie des cordes un peu en défaut, mais on est encore trop tôt pour pouvoir dire quoi que ce soit. C'est-à-dire que la théorie des cordes, elle résiste pas vraiment à ce que l'on voit, mais malgré tout, la théorie des cordes s'exprime tellement à des énergies plus élevées que le LHC, et du coup, on a un petit peu du mal à la faire parler ou pas. Et donc, du coup, je pense qu'il faut encore attendre un peu la nouvelle génération, mais aussi les données astrophysiques de notre univers. Je pense que là, ici, on est un peu à l'interface entre comprendre notre univers, donc l'observer et essayer de mettre des modèles d'univers et de comprendre l'infiniment petit. La théorie des cordes, pour le moment, elle est peut-être pas la plus, alors qu'elle était très, je dirais, fashion. Je sais pas comment, voilà, à la mode. Il y a peut-être 10, 15, 20 ans. Elle a un petit peu tendance à être un peu mise en retrait. Ceci étant, il n'y a pas de religion dans les théories. C'est à un moment, on prouve qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas ou qu'il faut l'adapter ou pas. Je pense que la théorie des cordes, elle a un petit peu réduit de son champ, mais elle peut tout à fait revenir. Si on reparle dans 5 ans, je veux dire, bah tiens, le LHC a réussi à mettre en évidence le fait que les particules peuvent être décrites plus par des cordes que par des objets mathématiques différents. Mais voilà, ça reste à faire encore. Très bien. Merci. Merci. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci beaucoup, Claire. Merci à vous. Merci à vous pour votre présence. On est désolé des ennuis techniques qui se sont produits lors de cette conférence. Je tiens vraiment à remercier très sincèrement le Musée des Confluences, Julien Frappa, toute l'équipe pour leur accueil. C'était une très belle expérience pour nous. Et puis, je vous remercie de votre attention. Je remercie les conférencières et j'espère à une prochaine fois. Peut-être, Julien, veux-tu ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter quelque chose parce qu'il s'est passé quelque chose qui n'était encore jamais arrivé ce soir. C'est qu'on a perdu complètement la connexion Internet. Donc, merci à vous d'avoir réussi à vous adapter. Merci, Gaëlle et Claire. Et merci à l'équipe technique d'avoir fait son possible parce que ça sort de cette salle, ce qui s'est passé ce soir. Donc, ils ont fait le maximum et donc je voulais les remercier aussi. Oui, voilà. Merci, c'est vrai. Merci encore. Beaucoup à vous parce que de votre accueil, c'est vraiment très sympathique et je suis désolée, effectivement, c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est tombé sur nous aujourd'hui. Merci Bonne en soirée. Tout cas. Nathalie?